ici, c'est la cage d'ascenseur. Donc là, il y aura un ascenseur. Donc un radier a été coulé. Donc il y a une sorte de contrepoids. Donc il y a une grosse masse de béton. Là, ici, les murs de soutènement. Et là, à cette partie, il y aura donc un escalier qui va débuter et qui va monter, donc qui va balancer, qui va faire tout le tour, qui va faire 360 degrés de partout. Donc là, ici, il y a des arrivées. Donc l'escalier balancé sera coulé en place sur mesure. Voilà, il ne sera pas préfabriqué. En vrai, Lucas? Ah, moi, je sais pas, moi. Tu feras ton... Tu parleras de l'escalier balancé un petit peu? Ouais, je vais faire les deux. Je vais faire ascenseur plus escalier dessus, en fait. Ok. Et bah, tu me diras comment tu fais le tracé pour les marches balancées. Ouais, ouais. Hein? Si tu fais avec une certaine méthode ou si tu as un plan qui est directement fait, on te donne les cotes et tout. On a un plan qui est fait là sur l'escalier. Les techs n'ont pas le même calcul que nous. Ouais. Oui. Donc en fait, on peut pas récupérer leur cotation d'escalier parce qu'ils ont un calcul qui se fait sur l'ordinateur et en gros ils tombent jamais bon. D'accord. Donc nous on est obligé de tout recalculer en le mettant, en le dessinant au sol. Quoi. D'accord. Donc dans tous les cas vous le faites traditionnel. Vous le tracez au sol, vous montez vos contre-marches, vous tracez sur les murs. Exactement. De chaque côté. C'est ça. On trace notre ligne de foulée et puis après, ben, on est parti aller remonter contre les murs. Et les collets, tu les fais comment du coup, les collets, les queues, tout ça? Comment tu fais pour faire ton calcul de ça? Et ben justement, sachant qu'on l'a au sol, on peut faire les divisions sur le top. Quoi. Ouais, d'accord. Exactement. À l'œil, quoi, que ça contente l'œil et que ton giron il soit régulier. Que ça contente le pied. Quoi. Ouais, d'accord. Compris. Ok, ça roule. Donc vous avez deux escaliers à réaliser là, deux escaliers balancés. Un là et un au-dessus. Un là, un au-dessus. Ok. De toute façon, je les referai sur papier, je pense, mes calculs en même temps. Comme ça, je les aurai. Bien, et là il y a les barres d'attente pour l'escalier, voilà, pour le départ d'escalier. Donc là on n'avait pas de dose prévu, donc j'ai fait un renforcement de ferraillage. Ouais, d'accord. Bah ben là il n'y a pas de souci. J'ai fait une bande noyée et puis j'ai repris l'escalier, mais bon, de toute façon il va être pris contre les murs en briques plus sur la cage d'ascenseur, donc normalement. Ah ouais, l'escalier il est pris, il y aura des prises dans le mur. Il y aura des prises dans la cage d'ascenseur et dans le mur. D'accord, compris. Ouais. Ok. Ça marche. Bon, ben, beau chantier. Puis, ben, moi, j'essaierai de repasser. Hein. Merci en tout cas de m'avoir accordé du temps. Pas de souci. Merci. Sinon, merci. Allez, à plus. Bisous, bisous.